Bonjour mes petits camarades, nous sommes le vendredi 5 juillet et je me trouve actuellement sur le site d'envol du parapente de l'Iry. Donc c'est au sud d'Aulnay, au-dessus de la Semois. Ça fait encore une très belle hauteur. Je suis passé par le col du Loup, donc 380 ou 385 mètres plus précisément de hauteur. Voilà, encore une belle marche. À partir d'Aulnay. Donc, je sais pas, ça doit faire 12-13 km certainement. Voilà. Je vous laisse regarder les belles images. À bientôt. Vous voyez la Semois en contrebas. On entend un bruit sourd. Alors, heureusement, il subsiste quelques fonderies encore dans la vallée comme ça, et heureusement parce que ça procure un peu de travail hein, dans une région quand même qui est très défavorisée, qui est très belle touristiquement parlant, mais très défavorisée au niveau de l'emploi. Voilà, vous voyez comme c'est beau tout ça, c'est magnifique hein. Là c'est moi vu d'en haut, donc je suis à 390 mètres d'altitude là. Alors les avions qu'on entend, ce sont des avions belges. Voilà. Ils viennent d'à côté parce qu'on est véritablement en frontière. Et ils viennent plus précisément de la base de Fleurennes, qui est une base de l'OTAN d'ailleurs. Bon, et bien maintenant qu'on a visité ce très beau site ensemble, j'ai plus qu'à redescendre. Alors je vais aller voir par la route sur laquelle je suis monté jusqu'ici, combien ça fait de kilomètres exactement, d'ici, de l'Iry jusqu'à Aulnay. Voilà. Et bien, vous voyez derrière moi là, une belle descente. Hein. Voilà. Voilà. Rentrer tranquillement, on a le temps. Voilà, deuxième palier de la descente. Hein. Bien, bien profond. Bon ben voilà le chemin, je suis descendu du bois, je vais rejoindre la route qui mène jusqu'à Aulnay d'un côté, donc là moi je pars sur la droite, de l'autre côté c'est Bogny-sur-Meuse, et puis je vais récupérer ma voiture en longeant la route et en redescendant jusqu'à Aulnay. Donc voilà, il n'y a pas d'indication kilométrique, donc je sais pas. Voilà l'endroit où j'ai garé ma voiture. Par contre, je sais pas, hein, il n'y a toujours pas de panneau. Là, je sais pas ce que c'est que ce panneau là. Je peux pas vous dire la distance, mais allez, en gros entre 11 et 12 km hein, pour aller jusqu'à la base de l'Iry. Hein.